Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du Droid Tech. C'est parti pour l'épisode 5 de Aspirina Stealth. Dans l'épisode 4, on avait découvert, et oui, l'élément de déplacement, de mouvement si vous préférez. Ouais, je peux faire ça aussi, voilà. Donc là c'est parti pour un épisode de... Ouais, les 10-15 minutes max. Donc là, ah oui d'accord, faut que je l'attache. Donc là j'appuie sur X et j'attache l'élément. Ah, du coup c'est en automatique. Faire attention. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Donc le jeu, je le kiffe. Normalement, je vais essayer d'en faire mon fil rouge. On va voir ce que ça donne dans le temps. Franchement, c'est magnifique. Écoutez-moi, le sound design et tout, là, la chute d'eau qui est... Enfin, franchement, c'est... C'est super bien. Alors encore un petit checkpoint, impeccable. Oula, là j'en récupère 3. Ouais. Ah. Il se place tout seul, j'espère. Oui, non. Ah, peut-être pas. Ah non, c'est moi qui vais les placer. Ok, du coup... On met les éléments, ça permet de créer... Je crois que c'est réglé pour cette cour. Je sens déjà l'intérieur de la cour qui bouge. Donc on aura peut-être déjà terminé cette partie-là du jeu. A voir. Du coup, là, j'en fais quoi? Ouais, c'est en train de bouger, mais moi, je sens rien. Ah, là. J'ai vu qu'il y avait un truc, un Y. Là. Donc pour moi, on a terminé cet élément-là. Je pense qu'on va revenir, on va voir. Ah non, peut-être pas, non. Je pensais... Ah oui, j'avais ouvert une porte. Exact. Donc ça, c'était dans l'autre. Là, pour l'instant, je peux pas y aller. Non, là, je peux pas y aller. J'avais deux portes à prendre. Une à gauche, une à droite. Donc on a terminé ce mouvement-là. Te revois là, ma douce. Et apparemment, tes talents dépassent jusqu'à ceux du créateur. Merci. Papa m'a toujours dit de faire de mon mieux et que personne ne pouvait m'en demander plus. Les paroles d'un sage. Sur ce, parle-moi de la cour. Quelle était l'étendue des dégâts? C'était affreux. Pardon, mais elle était détruite en grande partie. Ça ne vous aurait certainement pas plu. Certainement, en effet. Aucune mère ne veut savoir que son enfant souffre. Je te remercie pour ta franchise malgré cette triste nouvelle. À présent, j'imagine que tu t'intéresses à la cour suivante, l'arboretum des Goliaths. J'y arrive. Avec un peu de chance, nos somptueux jardins seront en bien meilleur état. Des jardins? Je suis curieuse de voir ça. Oh, je ne suis pas du genre à me vanter, mais notre arboretum peut rivaliser avec les forêts les plus luxuriantes du monde entier. Si ce n'est se vanter, je ne sais pas ce que c'est. Ma foi, nous avons tous droit à nos petites lubies, n'est-ce pas? Oui, j'imagine. À présent, emprunte ce portail sur la gauche. L'arboretum des Goliaths a besoin de toi. Aurais-je oublié quelque chose? J'avais bien oublié quelque chose. Donc là, on va aller remettre la gemme à sa place. Alors, l'élément, c'est pas des gemmes ici. Voilà, j'appuie toujours sur X. Ça nous permet de monter. Nickel. Bon. On va voir un peu ce que ça donne. Oh, la bande son, elle est toujours aussi magnifique. Je vais peut-être vous saouler avec ce que je dis, hein, mais... Là, pour l'instant, je peux pas y aller. Je pense que je vais retourner après. Je vous le redis, hein, mais si vous jouez à ce jeu-là, mettez votre casque audio. Ça rend vraiment... Le jeu immersif. Bon, un checkpoint impeccable. Et là, on va voir peut-être un nouvel élément. On va voir. Un autre monument, mais toi, tu détiens le pouvoir de l'esprit de grandeur. Pas étonnant que tout soit aussi vaste par ici. Moi, la gardienne de...
Kamiroa, j'invoque ta vertu, accorde-moi le pouvoir de la grandeur. Waouh. Ça y est, encore un nouvel élément de découvert. Donc ça va nous servir. Et évidemment. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Hop, allez, on avance. Donc là. Ah, ok. Donc du coup, je vais pouvoir. Une fois que j'ai l'élément de grandeur, je vais pouvoir bouger l'affaire. Par contre, je sais pas du tout l'utiliser, donc ça va être drôle. Ok. Donc là, je dois pouvoir le bouger pour le. Non? D'accord. Merde, je peux pas sauter par là. Ok. Donc, ouais, je dois, à mon avis, je dois le tirer pour. Là, je le retire. Voilà, tout simplement. Et là, faut que je monte dessus absolument, sinon je suis baisé. Impeccable. Donc ça ouvre encore une dynamique super puissante dans le jeu. Le mouvement, la grandeur. J'espère qu'on pourra tout utiliser sur la fin. Oula. Là, il y a un levier, mais là... Ah, vite d'amour, je l'ai zappé. Ok. J'espère que ça va m'aider de pouvoir pousser ce rocher et de l'envoyer là-haut pour récupérer l'esprit. Mais c'est pas gagné. Hop. Super. Là, je vais essayer de le pousser plutôt que de le tirer. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez pris ou si ça vous inspire ou pas ce jeu. Ça m'intéresse de le savoir. Ouais, du coup, je crois que ça sert à rien en vrai. Ouais, ça, ah, bah, ça m'aurait servi là. Ok. Bah, je sais pas comment je vais faire. Ok. Ah, oui. Il va peut-être m'en donner une autre. Ouais, voilà. J'en étais sûr. Dès que j'ai vu que ça prenait tout l'espace, je me suis dit, ouais, il y a embrouille. Du coup, il va falloir être malin. Ah, enlever l'autre et puis voilà, hop. Et on le remet dedans, on monte dessus, du coup on peut monter là-haut assez facilement. Énigme assez simple. Ah, là il y a Y, mais je sais pas pourquoi il y a Y. L'arbre. Que se passe-t-il? Ouh, des rayons. Cet endroit est en pleine de chaleur. Non, cet endroit est plein de chaleur et d'originalité. Comme quoi on peut toujours trouver de la beauté même dans les lieux les plus sinistres. J'espère qu'elle perdurera même si je pars. Même quand je serai parti. Ah, le piano derrière. Donc on va se laisser là pour l'épisode 5. Je vous avais dit que ça allait être un épisode assez court. Mais voilà, j'ai pas envie de trop aller dans le game, je préfère laisser durer la chose et vous laisser apprécier les épisodes un petit peu plus courts pour être tranquille. Je vous dis à la prochaine sur Agatha TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.